Laurence Wackelmann. Sur des paroles d'un évêque de Trio. Serait en panne un peu, sauf que c'est un seul appart, tout qu'elle est dans, tout qu'elle sort pas, sauf qu'on sort sur la tour de l'échelle. Elle a été mis sorcelle à l'époque, c'était quelque chose, elle ferme les yeux de temps en temps dans sa rose. Elle a produit ses souvenirs, si elle s'y mange un petit peu trop, elle économise comme pour emmener les gosses au McDo. Ne faites plus ça, se laisse monter, c'est pas une vraie, les chaussettes pèsent, j'ai qui traîne, c'est pas des vraies. La tête de biche en paillère, c'est pas une vraie. Dommage. Mais le gros peu sur le canapé. Ok. Alors elle achète des poules rêves avec des cris français que je. Pendant les trois secondes où elle gratte, elle tremble un peu. Alors elle tape l'argent de Noël parce qu'elle a caillé du loto. Vu qu'elle a gagné, elle peut acheter les gars. Mais tous les jours on recherche du travail. Des fois, il est simple, se nourrit d'hier, trois fois sans frais pour les camps plats. Maintenant ses enfants qui mangent même qu'une fois sur trois. Son ami est super musclé comme un mec qu'on a acheté en rameur. Où t'es les achats, il a 10 ans, mais qu'on a peur. Il est super intelligent, il l'a pas au Monopoly. Au mille temps, il l'a pas même tout court aussi. Le porte des fiers, c'est pas vrai. Le poster est dédicacé de Johnny, c'est pas vrai. De Bernard Lavillier, oh c'est pas vrai. Mais les lettres de relance pour le loyer. Ok. Alors elle achète des boules rêves avec une française des jeux. Pendant les trois secondes où elle gratte, elle tremble un peu. L'argent de la cantine est bon, il est passé dans le kilo. Madame Soleil, elle va faire gagner les gémeaux. L'été, la clinique des Trois Oliviers, avec Jean-Patrick le cardiologue qui est fondé. Tu sais, Jean-Patrick lui il est docteur, mais il est aussi aventurier. Et un jour c'est sûr, il viendra la chercher, oui. Il sera garé devant chez elle, et ils partiront à Venise. D'ailleurs elle a déjà préparé sa valise. Son cœur elle est transparent, comme un cerveau sans marque. Sauf que les assiettes même cassées, elles ont pas mal. Alors elle tape sur le chat, ça le voit qu'elle est pas morte. Après le cas, elle s'en pleurant, sur pas de la bande. Le figue près du canapé, c'est pas vrai. Le yucca près du canapé, c'est pas vrai. Le sapin de Noël près du canapé, c'est pas vrai. Mais les brûlures de clopes dans le dos des gosses. Ok. Alors elle achète ses beaux rêves avec une française de jeu. Pour les trois secondes où elle gratte, elle tremble un peu. Alors elle casse toutes ses salopes dans les billets de tacos à cœur. En forme, elle se